Bonjour chez vous, deuxième match de notre grand tournoi du Club des Ingénieux en sixième année. Les équipes aujourd'hui, Granada et de Rouyn-Noranda avec Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour Jules. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et bonjour Guillaume. Allô. Vous êtes en forme? Oui. Ah, oui, c'est... Après réflexion, c'est correct, il faut être sûr de notre coup. Vous allez jouer avec vos amis de Rouyn-Noranda, l'école Sacré-Cœur, avec Mélina. Bonjour Mélina. Bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Léa. Bonjour. Et bonjour Thomas. Hello. Ça va bien aussi? Oui. Oui. Mm-hmm. Oui, peut-être pas, c'est bon. Ça va bien. Il me semble que oui. Alice, c'est toi qui choisis la première entre habitation, Batman, champignon, personnalité québécoise, couleur, corps humain, grammaire. Grammaire. OK, parce que tu te rappelles plus des autres. Ah ah! C'est pas grave, on va tous les faire. Aie pas peur. Grammaire, donc, ce sont des collectives. On est prêt? On commence. Comment appelle-t-on un nom qui désigne un groupe de personnes, d'animaux ou de choses? Oui, Thomas. Une troupe? Non, pas tout à fait ça qu'on cherche. Pour Mathieu? Une foule? Non plus. On cherchait un nom collectif. Alors, une foule et une troupe sont des noms collectifs. Ils représentent un grand groupe de personnes. Deuxième question. Que suis-je? Je suis la forme nominale du verbe. Thomas? Un verbe à l'infinitif? Exactement, c'est l'infinitif. C'est bon. Troisième question. Avec quoi s'accorde le participe passé des verbes essentiellement pronominaux? Pour Alice? Le verbe être et avoir? Non. Réplique. Pour Léa? Des auxiliaires? Non plus. Alors, les verbes pronominaux s'accordent avec le sujet. Si je suis une fille et je dis « je me suis lavé », laver, parce que c'est un verbe pronominal, ça accorde avec le sujet. Quatrième question. Que devient tout mot qui accompagne un verbe exprimant un état et non une action? Thomas? Un adverbe. Non. Réplique. Alice? Un adjectif? Non plus. Devient un attribut. Pensez bien que vous étiez parti pour un attribut avec un verbe d'état. Mélina? Est-ce qu'on va parler de couleur, de corps humain, d'habitation, de Batman, de champignons ou de personnalité québécoise? Couleur. De couleur. C'est un chassé-croisé. Donc, la première question s'adresse à Alice et Thomas. Première question pour vous deux seulement. De quelle couleur est la sépia, matière colorante? Thomas? Pas moins mauve. Mauve, eh non, Alice? Allez. Jaune. Non plus. C'est un brun foncé. Jules et Léa, quelle était la couleur du Coca-Cola à l'origine? Léa? Brun. Non. Réplique. Jules? Bleu. Non, c'était bien plus appétissant, c'était vert. Wesh! Wesh! Alors, Mathieu, en fait, c'est un remède dans le temps, mais là, ça a été un peu changé. Mathieu et Émilie, dans un conte de Perrault, un homme riche ne trouvait pas d'épouse à cause de la couleur de sa barbe qui faisait fuir toutes les jeunes filles. De quelle couleur était cette barbe? Mathieu? Rousse. Non. Réplique. Émilie? Blanche. Non, elle était bleue. Barbe bleue, c'était pas... Il était pas... Non, la fille aimait pas ça. Guillaume et Mélina, quelle est la couleur du coquelicot que l'on porte à la boutonnière le 11 novembre? Oui, Mélina? Rouge. Il est rouge, effectivement, avec le centre noir, c'est ce qu'on cherchait. Alice, est-ce qu'on parle de corps humain, habitation, Batman, personnalité québécoise ou champignon? Non, non, c'est les Alice? Champignon. Champignon. C'est collectif, tout le monde joue. Comment appelle-t-on un champignon qui peut être mangé? Pour Thomas? Champignon comestible. Comestible, oui. Quel champignon est utilisé dans la fabrication du pain? Thomas? La moisissure. Non, réplique. C'est la levure. C'est un champignon, ça? C'est un champignon, mais oui. La moisissure aussi, là, mais c'est pas pour le fabriquer le pain, ça, c'est pour le défabriquer. Ouais. 3. Quel personnage de bande dessinée habite les champignons? Mathieu? Schtroumpf. Schtroumpf, c'est bon. Et 4. Nomme les deux couleurs du champignon de la bande dessinée Tintin et l'étoile mystérieuse. Mathieu? Blanc et rouge. Exactement. C'est bon. Mélina, tu choisis maintenant entre personnalité québécoise, Batman, habitation ou corps humain? Corps
Corps humain, prenez votre papier et votre crayon. On a des anagrammes qui vont parler du corps humain. Là, c'est-tu qu'on les dit ou qu'on les donne? Là, c'est. OK. Avec, c'est ça, ça te prend trois mains. Une qui tient le crayon, la manette puis le papier. On y va? Premier mot du corps humain, c'est une question de rapidité. T, T, S, Q, L, U, E, E. Oui, Alice? Squelette. Il restait un E pour faire squelette, c'est bon. Deuxième. R, L, L, O, I, E, E. Mélina. Oreille. Oreille, c'est bon. Le troisième. T, S, R, N, M, U, E. C'est trop long. Sternum. Okay. C'est l'os plat qu'on a en avant, là, qui est dur. Et quatrième. R, N, N, L, U, I, E, A, A. C'est trop long. Annulaire, c'est le doigt qui porte l'anneau. Ah. On est rendu à Mélina. C'est toi qui choisis maintenant? Ouais. Non? Alice? OK, Alice. Est-ce qu'on parle d'habitation, de Batman ou de personnalité québécoise? Personnalité. Québécoise, c'est une identification avec un indice à point décroissant, donc pour 40 points. Né le 2 février 1979 et originaire de Mont-Saint-Hilaire au Québec. Hein? Pas mal comme indice? Pour 30 points, acteur, animateur de télévision, scénariste, producteur et réalisateur de courts-métrages québécois. Thomas? Gérard Depardieu? Non, réplique. Pour 20 points, animateur de Carve Antigala en 2010, 2012 et 2013. Alice? Yann Anglade? Exactement, il anime Fan Club. Et joue Théo dans la part du cinquième à Vrac TV. C'est quoi ça? Ah, c'est le beau Yann England. Bravo. Okay. Et Mélina, tu choisis maintenant entre Batman et Habitation. 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 C'est un vis-à-vis. Donc, la première question va être pour Alice et Mélina. Juste pour vous deux. Comment se nomme l'habitation que tu utilises si tu fais du camping? Mélina. Une tente. Une tente, c'est bon. Ça aurait pu être une tente roulotte, un véhicule récréatif. Une utopia? Ça se peut. Oui, exactement. Toutes ces choses-là auraient été bonnes. Deuxième question pour Jules et Émilie. Comment appelle-t-on une petite cabane rudimentaire faite de branchages et de terre comme celle du castor? Jules? Une hutte. Hutte, c'est bon. Mathieu et Léa. Dans quelle habitation traditionnelle vivent les Esquimaux? Mathieu? Les igloos. Igloos, c'est bon. Et pour Guillaume et Thomas, qui habitait les wigwams? Guillaume? Les Indiens. Précise? Oui, c'est ça. Les Amérindiens. On les appelle aussi les Indiens, là, mais c'est correct, c'est la bonne réponse. Il nous reste une seule catégorie. On va parler de Batman. Tout le monde joue. Ce sont des collectives. Quelle ville protège Batman? Thomas? Arkham City. Non, réplique. Guillaume? Gotham City. Gotham City, c'est bon. Deuxième. Quel ennemi de Batman ressemble à un oiseau? Thomas? Je sais pas, le Joker? Réplique? Non. C'est le pingouin. En fait, il l'appelle Penguins en anglais, là, mais c'est un manchot en français. C'est pingouin, la réponse. Trois. Quel est l'emblème de Batman? Thomas. Une chauve-souris sur un fond jaune. C'est bon, chauve-souris. Et quel est le vrai nom de Batman? Pour Jules? Bruce Wayne. Bruce Wayne, c'est bon. On termine le bloc maintenant avec la question Desjardins qu'on a déjà posée
au début du match, avant que ça commence. Fait que là, c'est pas nécessaire de reprendre votre papier et votre crayon. Mais il fallait faire réaliser une anagramme avec la réponse de la question qui vient ici. Lors de l'achat d'un produit, pourquoi doit-on conserver la facture? Alors, la réponse, c'était, c'est pour la, et il y avait des lettres A-A-I-E-N-T-R-G, et c'était pour la garantie du produit. La question de jardin, donc, qui porte sur l'économie, les façons d'épargner, les façons de ne pas dépenser outre mesure. Alors, c'était donc la garantie du produit et le pointage qui était accumulé par nos joueurs. Question écrite individuelle au début. On a eu 20 points, c'est ça, 20 points pour l'équipe de Granada et 40 points pour l'équipe de l'École Sacré-Cœur. Bravo. Et le pointage après le premier bloc, c'est encore très serré. C'est 120 pour Granada et 100 pour Sacré-Cœur. Félicitations les joueurs. Mais il reste un autre petit bloc que voici. Alors, Mélina, tu choisis pour le deuxième bloc entre on calcule, botanique, santé CSST, livre, dinosaure, Mexique ou proverbe et dicton? C'est quoi le premier? Le premier, on calcule? Non, l'autre, le deuxième d'abord. Le deuxième, botanique? Ouais. OK. On y va, botanique, ce sont des chassés croisés. Donc, Alice et Thomas pour la première question. On va parler de botanique. Pour Alice et Thomas, donc, combien les pins blancs ont-ils d'aiguilles par faisceau? Alice. 3. Non, réplique. Thomas. Une vingtaine. Non plus, il n'y en a que, ben pas que, il y en a 5. Jules et Léa, et d'après, il y a des pins blancs, pins rouges, pins gris, puis on les reconnaît facilement par ça, le nombre. Pour Jules et Léa, dans quel genre de milieu poussent les quenouilles? Pour Jules. Milieu aquatique. Assez humide, en effet. Oui, c'est bon. Mathieu et Léa. Mathieu et Émilie, plutôt. OK. Que recherchent les abeilles lorsqu'elles volent de fleur en fleur? Oui, Émilie? Du pollen? Non. Réplique. Mathieu? Qu'est-ce que tu aurais dû dire? Des fleurs. Non plus, c'est non? Le nectar. Elles veulent se nourrir du nectar, mais transportent le pollen en même temps, sans faire exprès. Guillaume et Mélina, comment s'appelle le pigment vert des feuilles? Oui, Guillaume. La chlorophylle. Chlorophylle, c'est bon. Alice, maintenant, c'est toi qui choisis entre on calcule, santé CSST, proverbe et dicton, livre, dinosaure ou Mexique. On calcule. On calcule, ce sont des vis-à-vis. Alors, Alice et Mélina, pour vous deux seulement. On y va. OK. Vous pouvez attendre le mot égal si vous voulez. Vous me coupez la parole n'importe quand. Ça peut être des moins 10. 9 multiplié par 8 égale. Alice. 72. C'est bon. Jules et Émilie. Vous devriez attendre le mot égal. 3 plus 3 plus 3. Plus 3 égale. Émilie? Non, pas vrai, Jules? 12. Mathieu et Léa. Continuez la suite. OK? Je vais vous donner des nombres et je vais dire et. Et là, vous me donnez le nombre qui devrait suivre. Pour Mathieu et Léa, 12, 15, 18 et. Léa? 21. 21, c'est bon. Et pour Thomas et Guillaume? Attendez, le mot égal. 24 divisé par 3 égale. Thomas? 8. 8, c'est bon. Mélina, santé CSST, livre, Mexique, dinosaure ou proverbe et dicton? Mexique. Mexique, allons-y. C'est collectif, tout le monde joue. Quel ancien peuple, aussi connu comme les Mexicas ou Mexicas, vivait autrefois au cœur du Mexique? Thomas? Les Mayas. Non, réplique. Pour Jules? Les Aztèques. Les Aztèques vivaient au Mexique, c'est bon. Deuxième question. Lorsque tu iras au Mexique, dans pas grand temps bien sûr, comment diras-tu merci? Pour Émilie? Gracias. Gracias, c'est ça que tu dis? Oui. Hein, c'est bon. Bienvenue, pas de trouble. Troisième question. Quel est l'aliment de base de la cuisine mexicaine? Thomas? Les piments. Non, il y en a beaucoup, là, mais c'est pas la cuisine de base. Heureusement. Alice. Et Thomas?
Non plus. Là aussi, il y en a beaucoup, mais c'est le maïs. En particulier, les tortillas de maïs. Et, 4. Quelle est la capitale du Mexique? Thomas? Mexico. Mexico ou Mexico City. C'est correct, c'est la bonne réponse. Alice, est-ce qu'on va parler de dinosaures, de proverbes, de dictons, de livres ou encore de santé CSST? Proverbes et dictons. Proverbes et dictons, c'est un rachat. Donc, je m'adresse à Alice, juste pour toi, pour 20 points. Et si tu as la bonne réponse, et si tu ne l'as pas, ben, c'est quelqu'un de ton équipe qui peut te racheter pour 10 points. Complète l'expression ou le dicton suivant. On dit « fier comme un ». Un quoi? Fier comme un. Non? Rachat dans l'équipe. Pour Jules? Pain. Comme un pain, oui, c'est bon. Ou comme un coq, ça aurait été bon aussi. Deuxième question pour Jules. Complète l'expression au dicton suivant. Main froide. Continue. Main jaune. Non. Rachat. Alice? Pied chaud. Non. Cœur chaud. Main froide, cœur chaud. Pour Mathieu. Complète l'expression. Tout nouveau. Oui? Neuf. Non. Oh. Rachat dans l'équipe. Pour Guillaume? Tout chaud. Non. Tout beau. Tout nouveau, tout beau. Quand c'est nouveau, c'est amusant. Guillaume, complète l'expression dicton. On dit que cela là, de quelque chose, de quelqu'un, poussé comme... Mathieu? Comme de la mauvaise herbe. Comme de la mauvaise herbe, si on parle de quelqu'un qui grandit trop vite. Ou poussé comme des champignons, s'il y en a beaucoup. C'est bon. Mélina, tu y vas maintenant avec complète l'expression ou le dicton suivant. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Les souris dansent, c'est bon. Émilie, même chose. On dit riche comme... Non? Non. Rachat dans l'équipe. Oh. Thomas? Comme un bœuf. Non, ah, comme non. Crésus. Crésus, c'est un personnage. C'est vrai, oui. Riche comme Crésus. Léa, complète l'expression. L'exception confirme... Continue. Vrai. Pardon? Vrai. Non. Rachat dans l'équipe. Thomas? La règle. La règle. L'expression confirme la règle. Et pour Thomas, complète l'expression suivante. L'argent n'a pas... De valeur. De quoi? De valeur. De valeur. Et non. Rachat dans l'équipe. Quelqu'un le sait? L'argent n'a pas de... C'est quoi? Pour Léa? Le prix? Non. L'argent n'a pas d'odeur. Exactement. Alors, Mélina, c'est toi qui choisis maintenant, là? C'est à ton tour? T'es sûr? Oui. Est-ce qu'on va faire santé CSST, livre ou dinosaure? Livre. Livre. Ce sont des collectifs, donc. Dans quel magasin va-t-on pour acheter des livres? Pour Guillaume? La librairie. Une librairie, oui. C'est vrai que tu peux en acheter pas mal partout maintenant. Mais la librairie est spécialisée. Deuxième question. Comment s'appelle le livre réunissant toutes les cartes géographiques pour Thomas? Un atlas. Atlas, c'est bon. Troisième. Quelle table y a-t-il au début d'un livre? Mélina? Des matières. La table des matières, c'est bon. Et à quel endroit peut-on emprunter un livre? Pour Guillaume? À la bibliothèque. Bibliothèque, c'est bon. Alice? Est-ce qu'on va parler de dinosaures ou encore de santé CSST? Dinosaures. Dinosaures. Allons-y avec une association. Donc, on va vous distribuer un papier sur lequel sont dessinés trois dinosaures. Et à côté, il y a deux noms de dinosaures et un autre à trouver, que vous devez évidemment trouver, et ensuite relier à sa représentation graphique, à son image. Ça marche? La première chose que vous allez faire en recevant le papier, quand je vous dis de tourner la page, la feuille, c'est d'écrire votre nom d'équipe et votre école. OK? C'est important. Votre nom d'équipe et d'école, on y va. Tournez la feuille et c'est parti. École. Encore une partie serrée. J'espère que vous appréciez.
Le spectacle et surtout l'érudition de nos jeunes de sixième année. Vérifiez pour voir si vous n'avez pas fait de faute d'orthographe en faisant votre belle ligne propre. OK, on ramasse les feuilles et bien sûr, les fautes d'orthographe ne comptent pas, c'est des lignes qu'il faut faire. Et si vous devez écrire un nom, ben, on ne compte pas la faute d'orthographe non plus. Alors, le premier en haut, il existait, c'était quoi? C'était quoi, Léa, Émilie? Triceratops. Ben oui, ça se prononce bien pour ça. Donc, le premier est un triceratops. Le deuxième, c'était? Tyrannosaure. Lequel? Tyrannosaure? Non. Un tyran? Oui, non, oui, c'est ça, oui. C'est un tyrannosaure. Rex. Rex, ça veut dire le roi, c'était le plus gros. Et le troisième, c'était celui qui avait des grosses écales sur le dos. C'était le? Stégosaure. Stégosaure, que tout le monde connaît très bien personnellement d'ailleurs. Félicitations. Alors le pointage, 20 points pour les deux équipes. Alors il y a eu une erreur quelque part. Il nous reste une catégorie que nous allons faire en jeu collectif, donc tout le monde va jouer. Santé CSST, on est prêt, on y va avec ça. Quel breuvage sucré n'est pas nécessairement très bon pour la santé? Alice. C'est du jus? Non, réplique. Pour Léa? L'alcool. Oui, c'est bon. Ou une boisson gazeuse, c'est ça qu'on voulait dire. C'est bon. Deuxième, si tu vas à la chasse, que dois-tu porter pour être visible des autres chasseurs? Guillaume. Quelle couleur, est-ce que tu le sais? Orange flash. Oui, flash, qui veut dire fluorescent. C'est bon. Orange fluorescent, c'était très important. Troisième. Le poisson et les fruits de mer peuvent prévenir quelle maladie du cerveau? Car, Milena? Mélina? Je sais pas. Dis-moi une maladie du cerveau. Le cancer? Non, ça va être moins 10. Le... Car ils contiennent des oméga 3. Pour Alice? Non, c'était la maladie d'Alzheimer. Ça peut retarder. Et quatrième, si tu fais de l'équitation, quelle protection dois-tu porter? Oui, Alice? Un casque. Un casque. Sais-tu comment ça s'appelle un casque d'équitation? Non. C'est même pas dangereux, puis ça s'appelle une bombe. C'est comme ça. C'est à cause de la forme. Bombe, la forme d'un casque. On a passé à travers toutes nos catégories. Donc, félicitations les joueurs. On va calculer les points. Bravo pour votre performance aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous de première à sixième année, le Club des ingénieux peut vous aider à augmenter vos connaissances générales dans l'école. C'est secondaire 819-732-3221 ou 3370. Pointage final maintenant. Point. Guillaume. Pointage final. 210 pour Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda et 250 pour Granada. Félicitations les joueurs. Bravo.